Jour 6. Paranoïa. Docteur, il est maintenant temps de vous révéler qui a été immunisé par le public. Voici le premier nom. Alexandra. Je vous donnerai les autres noms plus tard. Ah, je me sens presque amoureuse tellement je suis contente. Amoureuse du public. C'est ce que je te dis, chanceuse. Tu vois, ils ont fait ça exprès, là. Ils nous diraient l'an premier. Ben regarde, tant mieux pour elle. Si c'est pour faire des réactions, c'est ce qu'ils veulent. On va pas être là non plus sur notre sofa toute la journée, tu sais. Au pire, c'est cool ce qui se passe, tu sais. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Tant mieux pour elle. On verra la suite. J'ai rien contre la fille. T'sais. On dirait que le monde pense que j'ai quelque chose contre cette fille-là. J'ai non, rien on sait que t'as rien. On elle est super fine. Pis tout ça, c'est la situation qui me rend enragée. Pis c'est tout. T'as enragée? Au pire, je suis au balotage, puis je m'en vais dimanche, puis c'est tout. Là. Bonsoir tout le monde et bienvenue à Love Story. On vous a demandé de voter toute la semaine pour donner l'immunité Bonneville à votre lofteur préféré. Décidément, vos choix ne font pas l'affaire de tous les lofteurs. Dernière journée avant le premier balotage, ça sent l'insécurité dans le loft. Il est maintenant temps de révéler d'autres noms. D'abord, je veux vous rappeler que vous avez gaspillé un privilège immense. Bravo. Voici les 6 autres lofteurs qui ont été immunisés par le public. Sébastien. Delphine. C'est dégueulasse. Elle pense en face de moi. C'est pas bon. Mais c'est juste comme la peine. Faut pas qu'elle te voit comme ça, elle. Non, je sais. Demande pas à ton adversaire que t'es faible. C'est une arme pour elle, c'est pas comme sais. Ça. Ouais, mais Alex va lui dire qu'elle va te continuer, peut-être. Puis il va faire pareil comme elle. Matt, tu me suis veut. Matt, avant qu'on rentre ici, j'ai dit je vais te dire quoi faire. Il sait pas quoi faire, Matt. Il est pas un stratégique. Lui, il vote contre celle qui l'énerve. Bon, ben moi, je vais y aller le voir pour lui dire quoi faire. Mmh. Ben, c'est les 3 filles, mais je pense que moi, ça va plus se décider entre Sydney et Jen, là. Malgré le fait que je les adore, les deux, là. Tu comprends, Delphine? Ouais, moi, c'est important de t'expliquer. Parce que moi, Sydney, c'est mon amie. Je sais. Ça me ferait fucking chier. Je le sais. Puis je veux la garder avec moi parce c'est que... C'est correct, puis t'as le droit de j'ai penser pas comme mon ça. Chum, c'est con, là, mais tu sais, j'ai pas mon chum, j'ai mon ami, ça me fait du bien de l'avoir ici. Non, mais je te comprends, ça m'a puis t'as raison de... Je te dis qu'est-ce que je pense de brut, là. Je vais être franche, Mathieu, il hésite entre toi et Geneviève. Mais moi, je lui ai dit que je voulais vraiment pas qu'il te nomme. Je lui ai dit, regarde, c'est mon ami, puis il a compris. Je lui ai dit, c'est quand même quelqu'un avec qui je suis proche, puis avec qui je peux parler. Je veux pas la perdre. Je sais que j'ai des ennemis, mais je sais pas qui sont les vrais ennemis. Donc, ça me fait énormément peur.
Parce qu'avant, c'était le public qui décidait. Maintenant, c'est eux. Fait que c'est sûr qu'avec le caractère que j'ai, peut-être qu'il y a certaines personnes qui aiment pas ça. Puis j'aurais plus de chances de sortir dimanche. On est à Love Story, on a été choisis parmi des All-Stars. On est ici, là. Je sais, mais sais-tu quoi? Moi, savoir que je pourrais m'en aller dimanche puis que je reste seulement une semaine ici, ça me fait regretter bien des affaires. Mm-hmm. J'en veux non pas à ça. Non, c'est ça. Ça me fait capoter parce que, sais-tu quoi, j'ai la réalité en pleine face, là, puis ça fait peur. Puis je sais pas qui faire confiance ici, puis je sais absolument rien. Profite à la place. Profite. Non, ça me semble que ça l'arrange pas. Ça fait chier. OK, check. Viens de l'autre bord, puis on va crier plus fort qu'eux autres avec notre coupe de vin. Oui, oui. Bon, viens-t'en, go. Après la pause, le triangle amoureux. Immunisé, vous êtes convié à un souper de l'amour du public. Ouh. Ouais, il est trop... Dominique, as-tu écrit quelque chose à Biggie? Non. Mathieu, veux-tu lire la lettre? Laissez donc faire. Pourquoi il a sorti le papier et il l'a lu? Je cite. Fais-tu ça pour le jeu? C'est con. Tu me brises le cœur. Arrête, s'il vous plaît. Pourquoi tu me fais subir ça? Je ne comprends pas pourquoi tu... Tu veux pas vivre ton loft avec moi? J'ai écrit, je te pardonnerai jamais si tu me flushes. Pour elle, je t'aime. Fait que j'ai écrit parce que je voulais pas y dire, parce que je suis pas capable. Ça aurait eu un petit peu plus de crédibilité si ça s'était produit avant le loft que présentement. Parce que là, présentement, c'est comme... C'est juste... Ah, Matt, je comptais sur toi pour me backer, puis finalement, t'as changé d'idée, donc ça fait chier. Ce soir, j'ai vu que il a pas changé, puis il est encore avec elle, donc... J'ai vu qu'il a choisi elle plutôt que moi. Moi, ça a cliqué, je m'entends super bien avec toi, puis nanana, puis c'est go with the flow, nanana, on est fumé, nanana, on est vrai les deux, on se dit ce qu'on pense, on a du fun. Les voir coller ensemble, ça m'a tué, puis ça m'a vraiment gâché mon trip, puis j'ai vraiment réalisé que je gâche mon aventure Love Story en ayant des attentes envers Mathieu Baron. Oui, t'es belle, t'es slant, pis tout, mais ça, on s'en fout, d'un certain sens. Moi, faut que ça clique, pis ça a cliqué. Pis si tout le reste vient, tant mieux, tu sais. Je suis vraiment content de ça, parce que moi, quand je me lève le matin, je sais que j'étais de mon bord, pis je suis content de ça. Mm-hmm. Pour vrai, ça m'a fait changer ma vision du jeu. Pis j'ai dit, je suis vraiment content parce que je peux rester moi-même. Je pense qu'il n'y en a rien à foutre de mon babier, alors je l'emmerde. Je l'emmerde tous les deux et je vais les éliminer tous les deux. Voilà. Je sais qu'il y a des équipes, Seb. Oui. Sauf que... Regarde, je veux pas dire ça comme ça, mais c'est sûr qu'il faut que ça soit Cass qui s'en aille. OK. Je veux vraiment pas que Christelle s'en aille et je veux vraiment pas que Cindy s'en aille. OK. Bon, ben moi, je vais te retourner la question. Pourquoi je voterais pour Cass quand j'ai aucune confirmation de ton côté que tu m'appuies? Ce qui s'est passé avec Delphine, j'essayais de la tester pour voir est-ce que Delphine va être capable de se compromettre pour sauver une de ses deux amies. La différence entre moi et Cass, tu veux que je te la dise? Vas-y. Okay. Cass, il te dit, oui, Seb, oui, on peut faire une alliance, mm-hmm. mais dès la première opportunité, il te foutrait dehors. Oui. OK? Moi, je te dis, Seb, je te fais pas confiance, je suis pas prête à aller faire une alliance mm-hmm. avec toi, OK? Mm-hmm. Sauf que la différence, c'est que je ne te mettrai pas en premier. Est-ce que pour toi, ça serait correct qu'on y aille semaine après semaine? Ou toi, tu veux une alliance du début jusqu'à la fin? Non, ça se peut pas.
Bon, parfait. Moi, je suis du même avec toi. C'est impossible, une alliance du début à la fin. On s'entend? Oui. OK. Qu'est-ce que ça te donne de sortir Signy ou Christelle? Pas que... OK. Oui, je veux les protéger. OK. Oui. Je suis honnête avec toi. Oui, j'essaie. Puis j'essaye vraiment fort de protéger Signy présentement. Puis je me force. Oui, mais je veux protéger Christelle aussi. Oui, mais malheureusement, il y en a une des deux qui va passer au tordeur présentement. C'est pas Cass qui passe au tordeur. Non, je veux que ce soit Cass qui s'en aille. Mais je sais, mais malheureusement, présentement, là, qu'on le veuille ou non, là, j'essaie de protéger au maximum Signy parce que la cible principal, c'était Signy. J'ai convaincu Arthur de pas voter contre Signy. Excuse-moi, là, c'est un mot assez hard à faire. C'est sûr qu'un de mes buts, c'est d'éliminer Mathieu Cass. Je veux pas être impatient face au fait que je vais l'éliminer, mais je veux pas non plus arriver dans une situation où ce que Mathieu Cass va avoir pris tellement d'ampleur que je pourrais plus l'éliminer. C'est capable de me garantir que t'as, mettons, 3 votes sur 7 assurés, puis que ces personnes-là sont capables de me dire qu'ils vont voter pour Cass. Donc, je vais probablement y penser sérieusement pour le voter out. Tu serais partant pour ça, Ben écoute, tu le sais. Pour Christelle? Ben oui. Tu penses qu'on a le vote nécessaire? On a 3, je sais que je te le dis, là. On est combien à voter? 7? 7. On a 4 votes. Déjà 3 dans la cabine, là. 4 votes? Non, attends. T'es sûr? OK. Ben, regarde, Arcan, si tu me dis, je me jure d'arriver puis de faire comme Christelle. Je pense pas que j'ai besoin de te jurer quoi que ce soit, là. Je sais que de toute façon, si t'arrives puis que... C'est moi, je te dis, c'est ça. C'est ça. Après la pause, un Sébastien humain? Ben, présentement, est-ce que je sens mon côté plus humain? C'est sûr que... Oui. Il va falloir que tu te reposes puis que tu arrêtes de stresser, OK? Je sors beaucoup plus que la première fois. La première fois, c'était très, 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 très stratégique. Tu veux-tu te reposer? T'aimerais pas mieux d'aller te coucher dans ton lit? Non, je veux pas être toute seule. Non, mais je suis là. Le problème, c'est qu'il faut que je convainque les gens que je suis sincère. Il faut que je convainque les gens que je suis honnête, que je suis fiable. Et on peut pas faire ça sans montrer un de nos côtés plus personnels, côté plus humain, justement. Tiens-toi pas dans le pied non plus, OK? Mm-mm. Puis il y a de quoi, je vais te le dire, OK? Si tu te tires dans le pied, je vais te le dire. Mm-mm. Puis je vais te chicaner. Puis je vais te taper les fesses. Puis ça va me faire vraiment plaisir de le faire. C'est certain que quand j'arrive puis que, exemple, je parle avec Signy, de dire, bon, ben, fais-toi-en pas, ça va bien aller. Certains petits mots de réconfort viennent vraiment du cœur de dire, inquiète-toi pas, c'est vrai que ça ira pas bien. Mais c'est sûr, il y a une part de stratégie aussi dans. Il y a une once de stratégie dans tout ce que je fais, là, qu'on le veuille ou non, c'est ça. J'ai faim. C'est de quoi tu me réveilles ou tu viens me dire, OK? OK. Ceci n'est pas une défaillance de votre poste radio. Hey, bon matin tout le monde, ici PY qui vous parle. J'espère que vous allez bien. Je pense qu'on a quelqu'un qui a été exclu du loft, qui est en bout de ligne. Bonjour! 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 Je t'ai vu rentrer là-dedans, Cynthia, et puis je me disais que le fait que tu entres en couple avec Arcadio... Ça pourrait peut-être compliquer les choses pour toi. Avant même de savoir comment t'es sortie du loft, c'était pas évident avec ton chum? C'était pas que c'était pas évident, c'était le fait de justement savoir que dans ma saison 5, on a passé beaucoup de temps ensemble. C'était d'essayer justement de montrer qu'on était des joueurs individuels à la base. Penses-tu que Dominique est jalouse de ce qui se passe entre Mathieu et Alexandra, s'il se passe quelque chose? Oui, excessivement, mais ça commençait déjà à l'affecter. On voyait... ça doit pas être facile, là. T'as ton ex devant toi 24 heures sur 24, puis en plus de pas vraiment y parler, il est avec une autre fille, c'est pas cool. Qui crois-tu qui a le plus de chance de gagner l'aventure? Je suis fière, là, le nom. Oh boy. Jusqu'à maintenant, là? J'irais avec Sébastien, si je souhaiterais que ça soit quelqu'un d'autre qui gagne. Ah ouais, tu penses que c'est lui qui a mieux placé ses pions jusqu'à maintenant? Ben, je pense pas que c'est lui qui a le mieux passé pour ses pions, mais je pense que c'est lui qui offre le plus de show. Y a-t-il quelqu'un qui peut dire à Hugues que le jeu a commencé? Il tranquille. Mais je pense que chaque seconde est un jeu en soi pour Hugues, là. Fait que lui, ça s'amuse pis c'est tout, je pense. Question plate, est-ce que tu penses qu'il y a des filles qui ont déjà commencé à tourner autour d'Arcadie? Non, je pense pas.
Okay. Je pense pas qu'il y a des filles qui tournent autour. Les filles savent que je suis en couple avec lui, puis de toute façon, Arcadio, je pense pas qu'il se laisserait faire. Mm. Hey, elle, puis ouais. Hey, c'est drôle que je vous fasse entendre ça. Non, c'est parce qu'ils veulent qu'on sache ce qu'ils se disent à l'extérieur pour nous faire jaser ici. Hey, eux, café est en production, ça va bien être en bio. Le jeu a commencé. La part de P.Y., là. Ah non, elle sais-tu pourquoi il a dit ça? Sais-tu pourquoi il dit ça? Ouais. Parce qu'on n'a pas dû te voir beaucoup. Ouais, je sais. C'est parce, ça. Que, parce que tu fais, t'es trop cool. Qu'est-ce que ça me donnerait de vous envoyer chier là? Non. Je suis pareil comme toi, Hugues, le gars. Tu sais, je veux dire, je suis seul de mon édition. J'ai du fun avec tout le monde, j'apprends tout à vous connaître. Puis quand même que je commencerai à planter des couteaux tout de suite. Voyons donc, un jeu, il dure 10 semaines. C'est comme Allô, là. Lui qui s'occupe de son estime d'émission puis qui essaye pas de comprendre comment ça marche ici, t'as le pic là-bas à parce Québec. Qu'il a jamais... Ouais, mais c'est ça. La matin, c'est P.Y. C'est pas P.Y. son nom, c'est P.Y. Moi j'ai quelque chose à te dire là. Je te le dis dans plein de face, puis c'est ça que je fais là. Tu capotes-tu, toi? Ouais, un peu. Oh, c'est tellement stressant les balatages là. Ça, je sais. Fait qu'il va me sortir dimanche, là. C'est sûr, certain. En plus, c'est elle qui l'a convaincu, là. Sébastien, il m'a dit, tu sais, moi, je suis sûre que je finirai pas l'aventure. C'est impossible que je finisse l'aventure. Comme toi, Delphine, tu ne finiras jamais l'aventure. Pas vrai? Il dit, tout le monde va vouloir te foutre dehors. Pas sûr de ça, là. C'est fou se faire dire ça, quand même. Tu te rends compte, ouais, manipulation, ouais, ouais, la manipulation qu'il y a... Ce gars-là, là, c'est fou. Il est venu me voir là, hier pour me dire « OK, on s'allie ensemble ». J'ai dit oui. Mais regarde, excuse-moi, mais t'in. Moi, j'ai entendu... ça me parle à Arcadio tantôt, puis il a dit « Je suis en train de toutes les avoir. » Non, avec Asp, puis il a dit « Je suis en train de... les avoir. » Mes cœurs, c'est Seb, là. Je suis en train de les avoir. Moi, je sais pas, mais ça me permet. Il faut que je trouve c'est quoi qu'il fait. Là, en ce moment, en fait, l'enjeu, c'est que Seb, il va de Christelle. Et non, Cass. Parce que si Seb, il va... Mais Seb, là, il ne dira jamais qu'est-ce qu'il va voter. Non, moi, je sais. Moi, je sais qu'il est dur à suivre. Moi, là, il est venu me voir pour essayer que je mette le monde contre Cass. Mm-hmm. Toi, il est venu me voir pour que tu mettes le monde contre Christelle. Non, pas du tout. Bon, ben, il est allé voir d'autres gens pour, qu'il sait, pour que les gens essayent de le mettre contre Christelle. Quand? Hier? OK, il est venu me dire ça, il ne mettra pas Cass, s'il me dit ça. Il va voir Christelle, pour essayer de mettre Christelle, il ne la mettra pas Christelle. Ça se trouve, là, il est super gentil avec Simi, mais c'est elle qui va mettre au balotage. On ne sait rien. Regarde, c'est un abruti. Bon, c'est peut-être un abruti, mais c'est un abruti qui fait jaser. Voici donc les lofteurs à qui vous avez donné l'immunité Bonneville. Alexandra, Arcadio, Delphine, Dominique, Kevin Carl, Mathieu Big et Sébastien. Ne manquez pas demain soir la spéciale en compagnie de P.Y. pour ne pas dire Pee-wee pour savoir qui sortira du loft. On se laisse avec le combat des chefs. Bonne soirée tout le monde. À demain. Je sais pas si t'es sincère avec moi, puis moi j'ai de la misère à faire confiance au monde ici, puis je sais même plus qui croire. OK, Sini, je vais t'exprimer quelque chose, puis pense-y comme il faut, OK? Moi, je suis quelqu'un d'extrêmement logique. Est-ce que t'es capable de trouver une logique qui ferait en sorte que tu serais ma cible à éliminer Parce cette que... semaine? Pense-y logiquement. Tu te stresses pas avec ça, non? J'ai aucun intérêt. Je sais que t'es la plus vraie ici. Ouais, mais moi, tu vois, je sais pas. Tu sais, qu'est-ce que tu dis, c'est vrai? Qu'est-ce que tu fais, c'est vrai? Mais d'un autre côté, comme je dis, ça, mettons que cette semaine, je dis quelque chose, puis je le tiens pas, là. Je suis brûlé pour une semaine à venir. Ouais, mais pourquoi tu laisses pas prendre les décisions au monde comme ça, le temps, pour le coller sa paix? Ben, je tiens à dire que c'est Sini qui est venu me voir, puis elle m'a envoyé un mot. OK, peu importe, tu sais ce que je veux dire. Ben, tu sais ce que je veux dire, Seb. Ben, le monde t'es brillant, tu le sais que je veux dire. Prends pas pour un cave. On est tous majeurs vaccinés ici, puis on sait tous qu'on a des choix à faire, là. Mm-hmm. T'as pas inventé l'eau chaude, toi, là, on allait voir quelqu'un, puis tu dirais, là, tu devrais peut-être penser à ça d'une différente façon. Tout le monde le sait, les choix qu'ils ont à faire, Seb. Ouais, ben, ils ont le choix de nous quitter. Puis tu viendras pas me dire à moi que tu dis la même chose à tout le monde, puis que c'est le même discours à tout le monde. Viens pas me dire ça à moi. Puis tu le sais que tout le monde le sait, puis tu nous prends quand même des caves. Puis là, à TV, j'ai peut-être l'air du gros qui pogne les nerfs, puis t'es peut-être bien content. Je m'en calisse. Ouais. Si t'as plus cette petite game-là, là, de rentrer à quelque part, d'aller voir le monde, c'est quoi tu fais ici, toi? C'est qui vient te chercher, puis qui vient te voir? Seb, on va-tu dehors? Viens, je veux te jaser. Qui c'est qui vient te chercher? Il y en a. Ah oui, il y en a. Personne. Personne vient te voir parce que personne ne veut rien faire avec toi parce que tout le monde sait que t'es un faux-né. C'est juste ça.
Fait que toi, si t'as plus ta petite game ici, là, zéro pour une barre. C'est ça qu'il faut que tu me dises. Arrête d'essayer d'aller chercher le monde de même. D'un côté, c'est peut-être brillant ce que tu fais parce que tu sais qu'il y a du monde qui ont des personnalités moins fortes. Toi, t'as un beau parler pis t'es fort du mental. Fait que c'est sûr que tu vas aller en chercher une coupe de même. Mais pourquoi t'essayes pas d'avoir du fun comme tout le monde pis de. Quoi? Je n'ai. T'as du fun, toi, ça? Ben oui. T'en prends pas gros dans la vie, toi? Ben écoute, moi, ce que je trouve bizarre de ton discours, c'est que tu me dis de pas aller voir le monde puis de lui dire ce qu'il faut qu'il fasse, mais toi, tu viens ici de t'asseoir puis tu me dis quoi faire. Fait que je te dis pas quoi faire. Moi, je te dis, crisse la paix à tout le monde puis ça va bien aller. Ben, c'est toi aussi, crisse la paix à tout le monde. Mais demande à qui tu veux. Qui sait, je vais voir, moi, ici puis dire, hey, ouais, mais là, on devrait peut-être faire ça comme ça. Jamais, puis tu regardes toutes les astuces d'émissions que tu veux. Ben non, parce que toi, c'est pas ta façon de jouer, c'est tout. Non, justement, parce que moi, je joue pas. Parfait. Ben, calisse la paix au monde. Ben, tu me dis quoi faire? Oui, je te dis quoi faire. Non, ben, c'est ça, c'est bon pour toi, mais pas pour moi. C'est comme pourquoi? Ça. Pourquoi? Ben, c'est passé comme ça. Ah, ben, tiens, moi, je l'intimide, je viens parler, je m'approche. Je t'intimide de lui. Pas, Seb. Ben, non, c'est non. Sûr. Non. C'est ce que tu fais avec tout le monde. Quand t'arrives, tu n'es pas content. Monde, hein, quand t'es pas content, tu hausses le ton. Je suis gueule, fou, pour le moins ben, de mal. C'est ça, tu coupes la parole de tout le monde. T'arrives, tu t'imposes, t'arrives, tu vas le voir en face. Tout le monde sont impressionnés. Ils font comme, mon Dieu, ouais, il est timide. Justement, moi, quand j'ai quelque chose à te dire, là, je te le dis dans ta petite face. Pardon. Moi, quand j'ai quelque chose à te dire, là, je vais pas me cacher comme un esti de cave devant la caméra puis d'aller parler dans le dos du monde. Moi, j'ai quelque chose à te dire, là, je te le dis dans ta face, puis c'est ça que je fais là. Calisse la peau au monde. C'est juste ça que j'ai à te dire. Ben, moi, je me cache pas, je me crisse bien Kiki autour, puis je me fous bien d'avoir l'air du gros impulsif à la TV. Ben, okay? C'est ce que t'as de l'air, en effet. Ouais, en effet. Ouais. Il m'énerve. Non, ben, je suis content, tu dis, on va-tu fumer du smoke, il va chercher ce smoke, là, je vois ça, ben, 2 minutes. Soit, tu sais. Ben, non, écoute. Moi, ça, tu sais, le monde check ça eux autres chez eux, moi, les lives, là. Ouais, c'est ça. C'est du paypal, là, ouais. Pay-per-view, le gros. Accompagnez vos lofters favoris à New York en juillet prochain. Vivez 3 jours d'émotion et poursuivez l'aventure grâce à touramérique.com. Plaisir garanti.